وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب التيمم. Donc l'auteur du livre dit, donc dans le chapitre des ablutions sèches ou des ablutions pulvérales du tayammum, l'auteur du livre dit باب التيمم. Déjà, que signifie ce terme de tayammum et pour quelle raison Allah tabaraka wa ta'ala l'a qualifié ou l'a nommé ainsi? Le tayammum dans la langue arabe, tayammama, ça veut dire qasada. Qasada, ça veut dire se diriger vers une chose ou vouloir une chose. C'est pour ceci qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ. Non, en parlant de ceux qui sont dans l'enceinte de la mosquée sacrée, wala amin bayt al-haram et wala qasidin bayt al-haram. Ceux qui ne cherchent pas à s'orienter ou à se diriger vers la maison sacrée. Aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Et ne recherchez pas le khabith, le mauvais. ولا تيمموا الخبيث, en le dépensant. Non. Alors que vous fermeriez les yeux si ce même khabith, ce même mal vous était donné ou il vous serait fait aumône. Non. Donc, wala tayammamul khabitha, wala taqsudul khabitha. Ne recherchez pas les mauvaises choses que vous voulez dépenser. C'est-à-dire dépenser des meilleures choses que vous possédez. Donc, ça, c'est le sens qu'on retrouve dans le Coran. C'est un sens linguistique du terme. At-tayammum. Maintenant, quelle est la définition religieuse du terme at-tayammum? Les savants ont dit que at-tayammum, c'est le fait d'essuyer son visage et ses deux mains avec la terre selon une manière précise. Voilà la définition du tayammum shar'an dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mas'hul wajhi wal yadayni bit turab ala wajhin makhsous. Non. Il y a unanimité des savants. Unanimité des savants sur le fait qu'il est permis d'avoir recours au tayammum dès lors que l'utilisation de l'eau est impossible, comme on va le voir inchallah, soit parce qu'elle est absente, il n'y en a pas, soit parce que son utilisation est préjudiciable pour la personne, ou d'autres raisons qu'ont évoquées les savants. Dès lors que l'eau est inutilisable ou il est impossible à la personne de l'utiliser pour se purifier, alors il a recours au tayammum, aux ablutions sèches. L'auteur du livre dit le tayammum est la deuxième sorte de purification après celle de l'eau, bien sûr. Et ici il dit le tayammum, c'est une substitution de la purification par l'eau. Elle vient suppléer ou se substituer à la purification par l'eau dès lors que l'utilisation de l'eau est impossible. إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ. Dès lors que l'utilisation de l'eau est impossible pour laver les membres concernés par les ablutions ou les grandes ablutions, le bain rituel ou le lavage rituel majeur. Soit
car l'eau est inexistante, soit par peur d'un préjudice lors de son utilisation. Dans ce cas, c'est la terre qui vient se suppléer à l'eau. Voilà ce que dit l'auteur du livre en début de ce chapitre. Quelle est la légitimité d'avoir recours au tayammum? Quelle est la preuve? La preuve, déjà, nous la trouvons dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le verset où Allah parle des ablutions. C'est le verset numéro 6 de la sourate numéro 5, sourate Al-Ma'ida. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Et dès lors que vous ne trouvez pas d'eau, alors ayez recours aux ablutions sèches par une terre pure. Sa'idan tayyiba. Ça, c'est le verset coranique. Nous avons aussi le hadith de Imran ibn Hussein qui a été rapporté dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui s'était écarté, qui s'était mis en retrait et qui n'a pas prié avec les autres. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Alors cet homme-là a dit, j'ai été touché par l'état d'impureté rituelle majeure, al-janaba. On a déjà défini qu'est-ce que signifie al-janaba. Et je n'ai pas trouvé d'eau pour faire le bain rituel ou le lavage rituel. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alayka bis-sa'id fa innahu yakfika. Alors il lui a dit, tu dois avoir recours à la terre, au sa'id. Et ceci te suffit, entre parenthèses, ceci te suffit pour pouvoir prier. Non. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim. Pour ceux qui veulent y revenir, c'est le numéro 348 du Sahih al-Bukhari. Le contexte de ce hadith, puisque ce hadith a été rapporté sur plusieurs versions, certains plus longs que d'autres, il faut savoir que ce hadith a une suite. C'est que l'homme a fait le bain rituel dès lors qu'il a trouvé de l'eau. En fait, ici, il n'y avait pas d'eau. La personne a cherché, n'a pas trouvé d'eau, et pensant que le tayammum, les ablutions sèches, ne pouvaient se substituer au bain rituel majeur, au lavage rituel majeur, alors il s'est abstenu de prier. Le prophète l'a orienté et lui a dit, lui a appris que quand bien même il était dans un état de janaba, d'état d'impureté rituelle majeure, il pouvait avoir recours au tayammum. Naam. Donc l'homme s'est exécuté. Il a fait le tayammum puis il a prié. Après sa prière, il a trouvé de l'eau. Mais il n'a pas trouvé de l'eau de lui-même. En fait, les gens se plaignaient qu'il n'avait pas d'eau. Soit pour boire, soit pour se laver. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé deux hommes. Puis ils ont trouvé une femme avec une gourde. Puis, et ça c'est un des miracles qui s'est opéré par les mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que par cette gourde-là, tout le monde a pu boire et se servir de l'eau. Des milliers de gens. Non. Plutôt des centaines, pas des milliers. Alors, dès lors que cette eau était présente, le prophète a appelé ou a fait appeler cet homme-là qui avait prié sa prière avec le tayammum. Il l'a appelé, il lui a dit, prends cette eau-là et va faire ton bain rituel, tes grandes ablutions. Non. Ce rajout, cette version est importante, comme on va le voir. Elle nous montre beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Taïb. Quelles sont les leçons à tirer de ce hadith? Premièrement, il est permis d'avoir recours au tayammum pour lever l'état d'impureté rituelle majeure et mineure. L'état d'impureté rituelle majeure est le janaba. Non? Qui peut me rappeler dans quelle situation l'homme tombe en état de pureté rituelle, d'impureté rituelle majeure? Qui peut me rappeler? Après un rapport, très bien. Deux.
la sortie du mani, le sperme. 3. Al-ihtilam. Al-ihtilam bichart, à condition que quelque chose est sorti du sperme. Al-ihtalama, s'il a vu dans son rêve quelque chose, mais rien n'est sorti, non, il n'a rien à faire. Non, il n'aura pas à faire de grandes ablutions. Quoi aussi, chez certains savants? C'est ce qu'il a cité le frère. Un rapport sans éjaculation, ou alors une éjaculation sans rapport, ou alors les deux en même temps. Tout ceci nécessite les ablutions rituelles majeures. Non, qawl sahih, non. Il faut qu'il soit, la sortie du sperme, il faut qu'il soit avec tadafouk wa ladha, avec plaisir et comment on dit, tadafouk. Il faut que ça jaillisse. Non. Troisième cas, les frères. Ah. Voilà. L'apostasie. Ou si vous voulez, quelqu'un qui rentre dans l'islam. Là, on lui demande de refaire ses ablutions ou de faire les ablutions rituelles majeures. Nettoyage du mort, on a vu que c'était sujet à divergence, mais c'est pas obligatoire, c'est mustahab seulement. Non. C'est recommandé. À la kulihal, voilà les situations qui nécessitent un lavage rituel majeur. Donc, si la personne est dans cet état-là ou dans ces cas susmentionnés et qu'il ne trouve pas d'eau, il a recours au tayammum pour pouvoir prier ce qui lui permettait de prier avec l'eau. À plus forte raison aussi, il a le droit et même l'obligation, s'il ne trouve pas d'eau, d'avoir recours au tayammum pour lever un état d'impureté rituelle mineure, les petites ablutions. Là, mes frères, taille. Deuxième leçon, le tayammum vient lever cet état temporairement jusqu'à la possibilité de l'utilisation de l'eau. Non, je vais y venir en détail après, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que dès lors que je trouve de l'eau, je n'ai plus le droit de prier comme ça. Il va falloir que j'utilise l'eau pour lever cet état d'impureté. D'où la divergence chez les savants. Est-ce que le tayammum vient lever un état d'impureté rituelle comme le ferait l'eau? Ou alors le tayammum vient juste nous permettre de faire ce qu'on ferait avec l'eau? Non, une divergence qui existe chez les savants. C'est pour l'impureté majeure ou c'est pas... Les deux. Les deux. Troisième leçon. Le tayammum se fait avec le sa'id. Qu'est-ce que le sa'id? Un sa'id, c'est la terre et tout ce qui est annexé à la terre. Non, tout ce qui est à la surface de la terre, c'est ça le sa'id. Ça peut être de la terre, du terreau, ça peut être du sable, ça peut être des pierres. Non. Je ne vous cache pas qu'il y a une divergence chez les savants. Certains disent que c'est juste la terre. La terre qui sert à faire pousser les plantes. Donc, ils excluent le sable et les pierres. D'autres savants disent non, puisque dans le Saïd, ça reprend toutes ces choses-là qui sont à la surface de la terre et qui viennent de la terre. Donc, les pierres, le sable, les roches, les montagnes, toutes ces choses-là. Et la terre, bien sûr, a plus forte raison. Et ça, c'est ce qui est authentique chez les savants et c'est ce qui est le plus juste. C'est qu'on peut faire les ablutions sèches avec le sable, avec la terre, avec le terreau, avec les pierres, quand bien même il n'y a pas de poussière dessus. Non. On peut faire aussi les ablutions sèches avec les murs, dès lors que ces murs viennent ou sont des éléments intrinsèques de la terre. Par exemple, certaines maisons sont recouvertes d'un mélange de tin, d'argile par exemple. L'argile vient de la terre. Poser ses mains comme ça et puis faire les ablutions sèches est permis selon l'avis le plus juste chez les savants.
Non, mais c'est une facilité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sur la base de ceci, il est tout à fait possible de prendre une pierre dans une mosquée, non, et de faire le tayammum dessus, à condition que cette pierre ne soit pas trop petite. Non. Cheikh Ibn Baz, rahimallah tabaraka wa ta'ala, dit que cette pierre doit être plus grande que la paume de la main. Non, si elle a la taille d'un œuf, ce n'est pas permis. Il faut que la main soit posée sur la pierre, il faut que la pierre soit plus grande que la main, comme ça, écartée ou tendue. Non, il faut que la pierre ait une taille quand même un peu plus grande que la main, au minimum. Donc, tous ceux qui voient que c'est Wajhul Ard, As-Sa'id, c'est tout ce qui est sur la terre, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Abi Hanifa, l'imam Al-Auza'i, Tabari, et Cheikh l'Islam aussi. Et l'auteur du livre, Cheikh Sa'di, voit cet avis-là. Il s'appuie sur un hadith authentique d'Abil Juhaym, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé ses mains sur un mur. Vous savez comment étaient construites les maisons à l'époque? Il y avait un revêtement sur les murs fait de terre directement. Il n'y avait pas de peinture comme ça, comme on le voit à notre époque. Donc c'était la terre directement. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a mis ses mains, il a frappé ses mains sur ce mur, puis il a fait des ablutions sèches et il a rendu le salam à ce compagnon, Abu Juhaym, qui lui avait adressé le salam. C'est un hadith authentique. Là, il y a plusieurs choses dont je veux vous parler, mais avant de vous parler de ces choses-là, qui sont directement liées au tayammum, je vais vous montrer comment on fait le tayammum. Comment on le fait. La façon de faire le tayammum est tirée d'un hadith rapporté dans les deux sahih, dans les deux authentiques. Al-Bukhari wa Muslim, d'après la version de Ammar ibn Yasir, radiallahu anhum. Lui, son père et sa mère. Tous trois des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé, ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi hajatin fa'ajnabtu. Le prophète m'a envoyé pour une mission et je suis tombé en état d'impureté rituelle majeure. Falam ajidilma, et je n'ai pas trouvé d'eau. Fatamaghrahtu fi as-sa'id kama tamaghraghu ad-dabbatu. Je me suis roulé dans la terre comme une bête se roule dans la terre, pensant que, par analogie, puisque l'eau, on a vu ça l'avant-dernier cours, l'eau doit toucher tout le corps lors du bain rituel majeur, où tout le corps doit être touché par l'eau. Donc, par analogie, il a dit que, à défaut d'eau, je fais ceci avec la terre. Il faut que toute la terre touche mon corps. Non. Donc, il s'est roulé tout nu dans la terre, comme une bête se roule dans la terre, comme il le dit, radiallahu anhu. Il a dit, il t'aurait suffi de faire ceci avec tes mains. Et le prophète lui a montré comment faire les ablutions sèches. Il a frappé ses deux mains, il a frappé la terre de ses deux mains une seule fois, darbatan wahidatan, puis il a essuyé sa main gauche avec sa main droite, naam, puis comme ça, puis le dessus, en fait il a fait comme ça, il a frotté ses mains, naam, ensemble, et il a essuyé son visage. Bas, c'est tout. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Vous le trouvez sur le numéro 347 de al-Bukhari, 368 de Muslim. De ce hadith-là, nous disons les savants, que il est légiféré de frapper une seule fois. Pourquoi ici je mets l'accent sur une seule fois, car certains savants disent qu'il faut frapper deux fois. Une fois pour les mains et une deuxième fois pour le visage. Or, tous les hadiths qui citent deux fois sont des hadiths faibles. Non? Tous les hadiths qui citent deux fois, où il faut frapper une fois pour les mains et une deuxième fois pour le visage, sont des hadiths faibles dont on ne peut s'appuyer dessus. Ce qui est authentique, c'est qu'on ne doit frapper qu'une seule fois au regard de ce hadith.
qui lui est dans les deux authentiques, le Bukhari wa Muslim, darbatan wahidatan. Deuxième chose, il y a dans certaines versions du hadith le fait que le prophète, après avoir frappé une première fois, a soufflé sur ses mains pour enlever l'excédent de poussière ou de terre. Donc, il frappe une fois ses mains à terre en frappant les paumes des mains sur la surface de la terre ou une pierre ou du sable. Puis, il souffle dessus si nécessaire, si ses mains sont vraiment sales. Sinon, ce n'est pas la peine, il peut le faire directement. Ensuite, il essuie le visage avec les délimitations que l'on a citées lorsqu'on a étudié les ablutions, qui me rappelle les délimitations du visage. Abdallah. Le front où? Jusqu'où le front? Jusqu'au début des cheveux. Voilà, les délimitations du visage. Barakallahu fik. C'est min manbati sha'ri, c'est-à-dire le début des cheveux. Naam. Jusqu'au menton ici. Toulan. Wa ardan, de l'oreille à l'oreille. Tout ça doit être essuyé. Naam. Essuyer le visage. Combien de fois? Une seule fois. Puis lorsqu'il essuie le visage, il essuie ses mains, comme je l'ai cité. Il y a une divergence ici, à savoir, est-ce qu'on essuie d'abord les mains ou d'abord le visage? Puisque le hadith que je vous ai cité ici évoque l'essuyage des mains avant l'essuyage du visage. Et ici, je vais essayer d'être pas trop technique parce que ça va vous embrouiller. Ici, il est cité qu'il a essuyé sa main gauche par sa main droite et le dessus et le visage, le « et ». Nous avons une autre version d'un hadith authentique où il est cité « il a essuyé son visage puis ses mains ». Donc, certains savants ont regroupé les deux hadiths en disant: le deuxième hadith qui évoque d'abord le visage, ensuite les mains, est venu avec cette particule de coordination qui implique un ordre précis, thumma. Sur la base de ceci, ils disent, on fait d'abord le visage et ensuite les mains, obligatoirement. Certains savants voient cet avis. D'autres disent qu'il y a une largesse dans ceci, car Ammar ibn Yasir a cité une fois comme ça et a cité une autre fois comme ça, et d'autres compagnons ont cité aussi le visage après les mains et les mains après le visage. Donc l'ordre n'est pas si important que cela. Non, c'est une divergence qui existe chez les savants. Non. À la Kulihal, aucun d'entre eux ne dit que celui qui inverse l'ordre a annulé ses ablutions sèches. Il y a plusieurs problématiques qui se posent concernant ce sujet. Premièrement, si une personne ne peut se purifier par l'eau, car absente, ou alors son utilisation lui est impossible, elle lui cause des préjudices réels, et il ne peut se purifier par la terre. Quelqu'un, par exemple, qui est enfermé dans une cellule, il n'y a ni terre ni eau. Et l'heure de la prière arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Le mur dans lequel il est n'est pas considéré comme de la terre. Par exemple, c'est du carrelage avec un revêtement dessus. C'est pas de la terre. Il est enfermé dans une cellule. Les savants ont divergé. Premier avis, il dit il prie en l'état. Il prie en l'état. Quand bien même il n'a pas ses ablutions, il prie en l'état. C'est l'avis de l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed ibn Hazm ibn Taymiyyata. Il prie en l'état et il s'appuie sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqullaha mastata'tum, craignez Allah quand vous pouvez. Donc cette situation dans laquelle il est, il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu, ceci le dépasse. Donc il n'est pas contraint de faire des choses plus qu'il ne peut supporter. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ne le surcharge pas plus que ceci. Il prie en l'état et sa prière est acceptée. Le deuxième avis,
c'est qu'il prie en l'état. Enfin, le deuxième avis, c'est qu'il priera dès lors qu'il pourra se purifier. C'est-à-dire, dès lors qu'il sort de cette situation, il fait ses ablutions et il prie. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Awza'i. Qawlu rajih fi hadhihi al-mas'ala, c'est le premier. Puisque le deuxième, la personne peut être dans une situation qui peut durer dans le temps. Non. Imaginons, il reste comme ça pendant des années. Pendant des années, il ne va pas prier. Non. Donc, il se doit de prier à l'heure, quand bien même il n'a pas ses ablutions. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne lui tient pas rigueur de cet état d'impureté rituelle. Deuxième problématique. Le tayammum vient te permettre de prier et de faire ce que tu pouvais faire avec l'eau. Comme les prières, comme la lecture du Coran, comme le tawaf, etc. Toutes ces choses-là. Dès lors que l'homme a recours au tayammum, son état d'impureté rituelle est levé provisoirement. Nous disons provisoirement car dès lors qu'il trouve de l'eau, alors il lui est obligatoire d'avoir recours aux ablutions. Donc, les savants disent que la personne ne cesse d'être dans cet état où il peut prier jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Donc, une personne qui prie le dhuhr en ayant fait le tayammum, les ablutions sèches, puis il n'a pas annulé ses ablutions jusqu'à ce que rentre la prière de l'asr, et il n'a pas trouvé d'eau, alors il prie l'asr comme ça. Puis, il n'a pas lu ses ablutions et là arrive l'heure du maghrib et il n'a toujours pas trouvé d'eau, il peut prier comme ça. Puis arrive l'heure de l'Isha et là, juste avant la prière, il trouve de l'eau. Il lui est obligatoire d'avoir recours aux ablutions normales avec l'eau. Là, cette permission, ce substitut est levé. Non. Sur ceci, je rebondis. Une personne qui trouve de l'eau avant la prière, c'est-à-dire il a fait le tayammum, car il n'y avait pas d'eau, juste avant la prière, il trouve de l'eau. Celui-là, il lui est obligatoire d'avoir recours à l'eau, et ceci, c'est un consensus des savants. Deuxième cas de figure, il trouve de l'eau, mais il a déjà commencé sa prière. Donc, il a fait le tayammum, car il n'y avait pas d'eau, puis il a commencé la prière, Allahu Akbar. Et là, quelqu'un vient et dit, il y a de l'eau. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa prière ou il sort? Il y a deux avis chez les savants. Non. Ceux qui disent qu'il sort de la prière, l'imam Abi Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hazm, et à notre époque, Shir al-Thaymin, ils disent que la personne qui trouve de l'eau, quand bien même il a commencé sa prière, ils disent qu'il est dans la capacité d'utiliser l'eau. Donc, il lui est obligatoire de sortir. Pas obligatoire, il doit sortir. Abu Hanifa, Ahmed ibn Hazm, ils disent qu'il doit sortir. Cheikh Al-Faymin, il dit qu'il sort par précaution. Il refait ses ablutions par précaution. Non. Ils disent aussi que le tayammum est une purification dans la nécessité. Les darura. Or, la nécessité ici, elle n'est plus présente, puisque l'eau est présente. Donc, il n'y a plus lieu d'être, il n'y a plus lieu d'avoir recours au tayammum et de pouvoir faire les ablutions dans cet état, de pouvoir faire la prière dans cet état-là. Donc, ils disent, il sort de la prière, il refait ses ablutions. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Ibn al-Mundhir. Ils disent, il reste dans sa prière, car il a commencé comme ça. Lorsqu'il a commencé la prière, il l'a fait en conformité avec la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'eau, il a eu recours au tayammum, donc il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a commencé sa prière et après il a trouvé de l'eau, mais comme la prière est déjà rentrée, c'est un autre moment. On n'est pas avant la prière, on est dans la prière. Donc le temps du tayammum, il est passé. Donc ils disent, il reste dans sa prière. Aucun blâme sur lui. Et il s'appuie sur un verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Et ne venez pas annuler vos actes.
Non, puisque ton acte, tu l'as fait en conformité avec la charia, avec la législation d'Allah, donc il reste valide. Non. Mais c'est pour ceci que vous voyez que Cheikh Al-Uthaymeen considère ce deuxième avis comme étant solide, mais il dit par précaution. Non, pour éviter tout risque, par précaution, il sort de sa prière. Non. Troisième cas de figure, il trouve de l'eau après la prière. Donc il a fait la prière avec le tayammum. Il a fini sa prière et là il trouve de l'eau. Non, qu'est-ce qu'il fait? Certains disent que s'il est encore dans l'heure, s'il est encore dans l'heure de la prière, il recommence. Le qawl sahih, c'est qu'il ne recommence pas. Non. Il ne recommence pas car il a agi en conformité avec la charia. Non. Ceci est corroboré par un hadith authentique rapporté par l'imam Abi Daoud dans Sunan, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le hadith est le suivant. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kharaja rajulan fi safarin fahadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma فليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء في وقت الصلاة فذكر ذلك له للنبي عليه الصلاة والسلام فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين. فيها واسع. Écoutez bien ce hadith. Deux hommes sont partis en voyage. La prière est arrivée, ils n'ont pas trouvé d'eau, ils ont eu recours aux ablutions sèches. Puis, par la suite, ils ont trouvé de l'eau, mais ils étaient encore dans l'heure de la prière. Alors, le premier a recommencé sa prière, alors que le premier a recommencé les ablutions et la prière, alors que le deuxième n'a rien fait. Il a pris avec les ablutions sèches, il n'a pas recommencé sa prière. Puis ils sont tous deux allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont relaté cet événement et le prophète leur a répondu. Il a répondu à celui qui n'a pas recommencé sa prière et qui n'a rien fait. Il lui a dit, tu as été sur la sunna. Et ta prière est valide. Non, tu as fait ce qu'a demandé la sunna et ta prière est valide. Et il a dit à celui qui a refait les ablutions et refait la prière, tu as deux récompenses. Ou tu as la récompense deux fois. Ceci nous prouve qu'il y a une largesse dans ce principe-là. Et bien sûr, la grande leçon de ceci, c'est qu'il n'est pas obligatoire de refaire la prière dès lors qu'on est encore dans le temps. Après avoir trouvé de l'eau. Naam, mirwa. Tayyib. L'utilisation du tayammum est conditionnée et valide après avoir cherché l'eau. Vous rappelez-vous le hadith que j'ai cité en début de l'intervention, le hadith de Amrad ibn Husaynin, lorsque cet homme-là s'est écarté du groupe des prieurs, naam, et il a dit Falam ajidil ma'a, je n'ai pas trouvé d'eau. Les savants disent que avant d'avoir recours au tayammum, il faut d'abord chercher s'il y a de l'eau. Non. Chercher, ce n'est pas juste regarder un périmètre de 2 mètres autour de toi. Non. Chercher, c'est chercher correctement. Donc, pour ceci, les savants, et je vous ai rapporté la parole d'Ibn Qudama dans le Mourdi, où il évoque justement comment chercher. Il dit, il doit, s'il est dans l'espace dégagé, il doit chercher à dos de monture. Pour aller plus vite, non, pour ne pas se fatiguer. S'il voit par exemple de la verdure, il se doit d'aller là-bas car c'est des endroits où l'eau est abondante ou plus à même d'exister. Troisièmement, si l'eau est dans un endroit qui appartient à des gens, il se doit de leur demander l'autorisation. Quatrièmement, s'il a des compagnons avec lui, il doit leur demander de l'eau ou s'ils ont de l'eau avec eux.
Aussi, s'il voit des gens d'un pays, d'une contrée ou d'une ville, alors il doit leur demander car ils sont plus à même de savoir où se trouve l'eau. Obligatoirement, les frères. Non. Si on lui indique l'emplacement de l'eau, il doit s'y rendre obligatoirement. Non. À la condition qu'il ne craigne pas pour sa vie, pour ses biens, pour sa monture, pour sa personne. S'il trouve de l'eau, mais entre lui et l'eau, il y a des fauves, alors il ne lui est pas obligatoire d'avoir recours à l'eau. Il peut avoir recours au tayammum. De même, s'il y a un étang d'eau, et c'est le seul point d'eau qu'il y a dans toute la région, mais autour de cet étang d'eau, il y a des gens pervers, et qu'une femme a peur pour sa propre personne et pour son intégrité et son honneur, alors il lui est permis dans ce cas-là d'avoir recours au tayammum, afin de ne pas se confronter à ces gens-là. Aussi, s'il craint, quand il va chercher de l'eau, il craint pour sa monture qu'on lui vole, ou alors que sa monture parte et le laisse, alors il a aussi le droit d'avoir recours au tayammum. Tout ceci pour vous dire que il est obligatoire, avant d'avoir recours au tayammum, de chercher. Est-ce qu'il peut acheter de l'eau? S'il trouve de l'eau, est-ce qu'il peut l'acheter pour faire ses ablutions? S'il trouve de l'eau à un prix raisonnable, alors il lui est obligatoire de l'acheter s'il en a les moyens. S'il trouve de l'eau, mais l'eau, le prix de l'eau est beaucoup trop élevé, alors dans ce cas-là, il lui est seulement recommandé de l'acheter. Non, et plus obligatoire. Quelque chose de très important. Écoutez bien. Celui qui prie avec le tayammum, alors qu'il avait de l'eau, mais il a oublié qu'il avait de l'eau. Non, il avait de l'eau avec lui. Pensant ou oubliant qu'il avait de l'eau, il a prié avec le tayammum. Est-ce que celui-là, il doit recommencer sa prière? Taïeb, un autre cas de figure. Quelqu'un, il a oublié, il rentre dans la mosquée ici, il prie, il a oublié de faire ses ablutions, il s'en rappelle. Il recommence sa prière? Il recommence. Quelqu'un, il a oublié de faire ses ablutions. Que ça soit pendant ou après. Il recommence sa prière, il a oublié. Certes, son oubli n'entraîne pas un péché de sa part, mais la prière reste sur son cou. Donc il est obligé de prier avec les ablutions. Non, mes frères, celui-là est dans ce cas-là, c'est le même cas. Il devait faire les ablutions, mais il a oublié qu'il avait de l'eau. Donc il a fait le tayammum. Son tayammum, il n'est pas valide car il y avait la présence de l'eau. Donc dès qu'il se rappelle, il est obligé d'avoir recours à l'eau, de faire ses ablutions et de recommencer sa prière. Et si c'est quelqu'un qui dirige la prière, et à la fin de la prière, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait l'eau? Oui. Les gens qui ont prié derrière lui. Non, leur prière est valide. Par contre, la sienne, il la recommence. Non. Mais sa prière, elle est invalide. Par contre, la prière de ceux qui sont derrière, elle est valide. Parce qu'ils avaient la conviction qu'il était en état de pureté rituelle. Non. Donc, l'oubli ne te décharge pas de recommencer la prière. De même, l'erreur. Pour lui, il n'avait pas d'eau. Alors qu'il en avait. C'est une erreur. C'est un peu comparable à l'oubli. Il est dans le même cas que celui qui a oublié. Il est obligé de recommencer sa prière. Au même titre que celui qui pensait avoir les ablutions et qui prie. Et ensuite, dans sa prière ou après sa prière, il est convaincu qu'en fait, il n'avait pas ses ablutions. Fasalatuhu ala raqabati. Il doit refaire sa prière, ses ablutions et sa prière. Deux dernières problématiques. Celui qui a juste de l'eau pour laver une souillure. Ou alors, je reprends la problématique autrement. Une personne, il a de l'eau, il a une petite quantité d'eau. Et il doit faire deux choses. Laver une souillure qu'il a sur lui, ou sur son vêtement, ou sur l'endroit où il va prier. Et lever l'état d'impureté rituelle, les ablutions. Que fait-il?
Hein? Pour voir s'il est soif. C'est vrai. Il faut voir s'il a soif. Exactement. Mais ici, dans le cas où il n'a pas soif, est-ce qu'il utilise cette eau-là pour laver la souillure ou alors est-ce qu'il utilise cette eau-là pour faire ses ablutions? Il utilise l'eau pour laver la souillure. L'âme. Car le lavage de la souillure ne se fait qu'à travers ou que par l'eau. Il n'a pas été prouvé que le prophète a nettoyé la souillure par la terre. L'âme. Par l'eau. Par contre, pour lever l'état d'impureté rituelle, nous avons recours, en cas de déficit d'eau, aux ablutions sèches. Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'eau pour la souillure et il utilise le tayammum pour lever l'état d'impureté rituelle. Une personne qui a juste de l'eau pour les ablutions et il risque, s'il l'utilise, de mourir de soif. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde son eau pour boire. Barakallahu fikoum. Il garde son eau pour boire et il a recours au tayammum. C'est un cas de nécessité et de force majeure. Et enfin, quels sont les critères pour l'utilisation? Quels sont les critères lorsque les savants disent que celui qui a peur d'utiliser l'eau, il peut avoir recours au tayammum? Sur quels critères on se base? Quels sont, est-ce qu'on appelle un dawabit? Non. Premièrement, s'il a peur, il faut que cette peur elle soit avérée. Ce n'est pas juste un waswas. Il sait que s'il utilise l'eau, il y a de fortes chances que, premièrement, il y a une aggravation de sa maladie. Dans ce cas, il a recours au tayammum. Deux, il y a un ralentissement de sa guérison en utilisant l'eau. Donc, il a recours au tayammum aussi. Trois, il risque de subir une douleur insupportable. Quatre, il risque d'aggraver une blessure là, par l'utilisation de l'eau. Alors tout ceci, bien sûr, lui permet d'avoir recours aux ablutions sèches. Et si vous êtes malade ou en voyage, alors فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors vous pouvez avoir recours aux ablutions pulvérales, aux ablutions sèches. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقل رب زدني علما